that has been marked in our history. That's the day in February 7, 1986, that baby dog Jean-Claude Duvalier had left Haiti because he was being pushed out by the population. Et donc, on est là pour dire qu'on est solidaire du peuple haïtien qui manifeste depuis des mois, des années, même depuis 2018, il y a des manifestations en Haïti. Et en ce moment, il y a des répressions de la part de Jovenel Moïse. Il y a des gens qui ont été massacrés. Jovenel Moïse tente de ramener tous les éléments de la dictature. Il gouverne par décret, il réprime la population haïtienne. Et donc, on est là pour dire ça suffit. Il faut que ça change en Haïti, il faut que le système change. Il faut surtout que le Canada et les États-Unis arrêtent de soutenir la dictature en Haïti. Je dis à nous là, nous pas là, même j'ai oppressé pour nous séparer. Nous là pour nous réunir, pour nous collecter, pour nous coller les épaules. Pas seulement pour nous l'autre Haïti, mais pour nous l'autre monde. C'est toujours des mots vagues qui sont dits comme quoi ils sont en accord avec le processus démocratique en Haïti. Mais concrètement, ils persistent à faire comme si il y avait de la démocratie en Haïti alors qu'il n'y en a pas. Donc c'est un problème. Il va falloir que le Canada se prononce clairement contre la situation qui est vraiment grave en Haïti en ce moment et que le Canada dise qu'il n'y aura plus de soutien à ce régime illégitime, antidémocratique en Haïti. Il n'est pas question que le duvalierisme revienne en Haïti et s'installe à l'estement. C'est près de 30 ans de lutte, de sang versé, de sacrifices, de vie perdue, de familles désignées. Ce sont des générations à jamais perturbées, traumatisées. We cannot continue to have a pays like Haiti that make a statement to the world in 1804 to be the first black independent country in the world that has started a fire of hope and liberty, and we still suffering.